for the 6th edition of prestigious Asian Music Awards. This year, we're gonna honor the teachers, the business owners, and our musicians like Beijing and Cadillac, T-Vice, New Look, Glass, Kai, Vibe, Maestro, Harmonic, Oswald, Shumi, Influence, and Luce. It will be a life to remember Saturday, January 15, 2022, at Julius Lippmann Performing Arts Theater. Red carpet, 5 p.m. and showtime, 7 p.m. Info, 786-357-9558 or 509-3773-1443. Visit us online at 3W Asian Music Awards FO. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonsoir à Silla, côté où il y a ce soleil qui a couché. Bonjour, c'est là, côté où il y a ce soleil qui a levé. Avec même plaisir, je vais retrouver nous pour deux, trois mots avec Pipo, pour nous parler musique, pour nous parler société, mais je dis à surtout nous parler de musique et nous recevoir un artiste qui, quand même, gagne plus que trois décennies de carrière. Monsieur, son jeune garçon que lié, monsieur, commencé jeune. Donc, il y a de se mettre en pile l'âge sous tête négo, mais nous pas tenu compte de paramètres que c'est des nègres qui commençaient au télé 14-15 ans, là où ils ont commencé carrière. Yo. C'est ça qui expliquait que carrière là, il autant de temps et que durait long l'état ça. Donc, je dis à nous pas recevoir un artiste, un chanteur, un guitariste et surtout un artiste qui pourrait le mettre au album de yo. Très bientôt, après un long moment de silence, si je suis capable de laisser ça comme ça. Donc, sur les plateaux de Téléana Kaouna et sur les plateaux de Alternative Plus, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Roberto Martino Toto qui joue les bordeurs. Bonjour, bonjour. Très content. Merci, mon cher. C'est un plaisir et pour venir là, pour me passer dans l'émission. Et puis tout, faut si je t'ai parlé, même. C'est un plaisir pour me monter, venir là, venir relaxer avec nous. Okay. Et aujourd'hui, il y a un grand homme qui parle de ceci, certes. On a parlé de ça. Mais nous n'avons pas de bafon de Chita. Nous n'avons pas de bafon. On s'échange. On s'échange. Et sous plusieurs bagages qui viennent pour la business, etc. C'est ça. Tout au 30 ans de carrière, on se dit là, c'est quand même 30 ans de carrière. Comment c'est carrière? Vous avez 14 ans, c'est 14-15 ans. C'est pas plus. Peut-être 12 ans même. Peut-être 12 ans même. Peut-être 12 ans même. Parce que nous croyons Renato, tu as 9 ans. Là, nous commençons à jouer Fessis. Nous commençons à jouer dans un série de petites fêtes de l'école. Et journée créative. Parce qu'à l'époque, en Haïti, c'est ça qui est à la mode. Je n'ai pas grandi, je dis à la Pâque. D'ailleurs, moi, ça, je ne connais pas. Journée récréative, je ne connais pas. Mais à l'époque, c'était chaque samedi, chaque vendredi, dans série de jazz, c'était T-Vice, King Passé, etc. Nous avons marché, joué, dans série de journée récréative, qui était venu bailler la musique. Moi, j'arrête tout parce que nous avons joué pour les jeunes, et les jeunes étaient appréciés. Et la musique, ça a créé les compas directs. Là, c'était balle, j'arrête. Et vraiment, je pense que, hey, man, bah, ça, époque, ça, c'est une époque qui vraiment manqué. Donc, je pour me dire que, à l'époque, qu'il a joué, c'est ça, Renato a 9 ans, il a peut-être 12 ans, 11 ans, 12 ans, il a démarré, puis de là, étant. L'autre, c'est vrai, ça a commencé à faire bruit. Là, c'est la 14, l'a fait album. 13-14 ans. C'était l'album Tu me touches là. Tu me touches là, avec, quoi, c'est ton production de anti-musique, c'est pas trop bien. Anti-musique, non? Est-ce que c'est pas Melody Maker? Melody Maker, c'était le premier album. Anti-musique vient déraper, c'est ça, avec l'album In the House là. Et puis, il vient prendre Bam T-Vice, qui était l'album Billy Bam Bam. Et puis, nous avons une nouvelle génération, Gilbert, qui vient prendre dans les médicaments. Ok. Là, je regarde tout changement dans le temps de producteur, qui a produit l'album anti-musique, l'autre qui a. Un gros changement dans la maquette là, c'est sûr, c'est sûr. Bon, d'ailleurs, pas vraiment les producteurs dans le business là. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est dommage? Ou bien est-ce que l'avantage, non, le fait que pas un producteur? Bon, dans le sens que pas un producteur, il vit un problème parce que quand il y a un artiste obligé de produire tête là. Longtemps que tu as joué un producteur qui te dit, hey, ma boîte, tant qu'on n'a pas besoin d'occuper ou de. Gérer et on série de bagailles, juste gérer production, moi même gérer toute bagaille, moi gérer album, moi gérer et ceci. Là, artiste vient en charge de toute bagaille. Et mais les vient rentable plus pour artiste tout parce que vous contrôle, vous avez contrôle tout ça fait. Et puis c'est vous même qui a poussé, c'est vous même qui a travaillé et puis à la fin. Les vraiment rentable pour artiste, mais non sens tout et producteur lui-même, Wally, c'est produit album non, produit jazz là, chercher opening pour jazz là.
Gonkoto perdu, Gonkoto gagné. Perdu, Gonkoto gagné. Ok. Mm-hmm. Roberto, sous 30 ans, ça, 30 ans de carrière, ça, yo. Mm-hmm. Et soit parler de changement, est-ce que Kabano, grand changement qui fait sous chaque 10 ans et la maquette là, non seulement sur le plan musical, mais en termes d'approche, de marché, tout ça. Et qui m'a dit peut-être que nous adapter nous, parce que je suis capable de dire que tu vas avoir une grande capacité d'adaptation à nouveau courant. Yo. Est-ce qu'on parle de grand moment? C'est que c'est ça qui fait que jusqu'à présent que là. Ouais, c'est clair. C'est adaptation. Mm-hmm. Faut moi dire que moi vive époque 90 à 2000 mm-hmm. côté que qui ça tape marché à l'époque c'était mid tempo. Mm-hmm. C'est-à-dire que musique mid tempo, musique dansante, musique qui pas trop rapide ni trop doucement. Mm-hmm. Nous venons rentrer dans période et 2010 mm-hmm. côté que me pensais que et Nous devons commencer à rentrer dans le fast tempo. Ça veut dire que c'est pour ça que Jacques nous a éclaté avec mm-hmm. l'album La Familia. Et comme si nous avons joué, nous avons joué, nous avons parlé de Big Mistake. Mm-hmm. Si vous avez fait mes médicaments, Karim vient de rapper avec Bang Bang. So, nous devons plus up tempo. Mm-hmm. Et puis de 2010 pour moi à 2020, nous avons un changement côté que nous avons un mélange de Zouk Love mm-hmm. qui vient de découvrir avec mm-hmm. une série de. Compositeur d'un coup, Alila Rivière, qui vient de charmer mon nom avec mm-hmm. style musique ça. Alan Kavé, bon, c'était guitare, l'époque qui depuis bien avant, mais. Et un pilote producteur tout, qui vient ralentir tempo production yo, pour venir faire musique qui est plus doucement, mm-hmm. plus dansante que vitesse que dès qu'on allait en avant. Et là, c'est que là, on sort de mélange mm-hmm. à partir de Afrobeat là, qui vient faire que. Faut qu'on tire en mi-temps, faut pas trop doucement, faut pas trop vite. Sauf, faut qu'on bien calculer production dans le moment pour arriver sur Genèse. Ok, mais écoutez, là, très tôt, ça a eu un pilote changement qui fait tout. Nous parler de, non seulement changement de jazz, de machine, qui vient, tout n'est obligé de venir la full live, tout n'est obligé de mettre batterie, il y a tout changement sur la donne tout. Mais on vient une autre génération d'animateurs tout, on vient une autre approche au niveau des médias. Donc, ou t'es qu'à vivre BIS, ou vivre Louko, ou vivre moi-même tout. Jeune petit garçon, puis jeune la période Zayo. Qui l'a toujours. Okay. Et puis, quand il y a là, il y a l'autre génération d'animateurs qui est devant la scène et approche médiatique qui change et tout. Parce que l'endap commencé, ce n'est pas Trezo, ce n'est pas Internet, c'était Radio Galaxy, c'était Radio Métropole. Donc, qui joue le mouvement médiatique là, c'est juste. Est-ce que vous confortable avec elle? Ligue avantage, ligue des avantages, encore. Mm-hmm. Peut-être que ça m'a dit ça, c'est que longtemps, où tu es contrôlé, qui ça ou te vle qui sorti. Okay. Côté que Kounia, mm-hmm. depuis un grand monde joue nos bagailles, et puis là, il y a sous les oies, mm-hmm. ça veut dire que ou perd du contrôle. Okay. Vous comprenez ça en tout là? Mm-hmm. Et ce que je dis à la tour, nous avons un paquet de monde qui est les têtes du animateur, mm-hmm. qui just peut-être une émission peut-être sur Facebook, ou bien, et ils just une page Facebook, et puis bon, ils commencent mm-hmm. à faire une émission, et puis Kounia, je dis à la, la parler n'importe Tintin, et puis ils ont une audience. Mm-hmm. Et puis, à partir de audience, à partir de salguin là, li ka peut-être fait salve, l'a dit salve son monde et l'a gagné des monde qui a suivi, des monde qui a quoi côté que longtemps, je pense que nous t'ai une série de et même la presse, une série de nous carré les animateurs, nous mm-hmm. carré les comme ça. Mm-hmm. Qui était vraiment une sorte de formation qui pas privé dans série de niveau que m'a regardé là. Mm-hmm. Parce que une série de nèg m'a regardé qui a fait chaud. Mm-hmm. Bon moi people show Facebook etc. Négocier négativité, c'est bail mentir, c'est craser et yon bon audience. Yon gen moun kap gade yon. Longtemps, d'oral font interview, disons, on font interview à Pipo, on font interview à BS, on font interview à Loukou, avec conseil de. Et, you know, moun qui compte travail là. Je veux dire, là, m'a pensé que obligé qu'on travaille là pour mon émission. Ok. Juste gon micro devant, mm-hmm. pour mon following, mm-hmm. ou créer un hype, une sensation, ou bien nous choisissons un monde qui est populaire, ou craser. Tout le monde vient chaque jour pour venir regarder qui était en bras le dit. So, je pense que les réseaux sociaux ont des avantages. Mais est-ce que c'est son terreur qui fait au moment de la durée, mais terreur que vous êtes presque choisi pour faire tout au show, pour parler? Est-ce que c'est. Parce que je me sens que je suis en plateforme tout. Je me suis comme de parler de business plan tout. Parce que. T'es venu une sorte de comme si Nadjou même, t'as connu que prend business en otage tout. Elle dit que pas passer penser de Chanel, il y a bloqué.
Je vais livrer mon channel moi-même pour m'exprimer. C'est pas que j'ai un problème à personne, non. Mais des fois, mon just choisi qu'on prend face ou il pas contre pour qui raison. Il pas un monde qu'on prend face ou pas contre pour qui raison. Sauf ou même ou moins passe pour passer pour parler pour bailler. Ça il pour là tout. Parti pour là. Sauf moi-même, c'est ça que me choisir faire, mais pour y en il vient pas tellement en plus de temps. Pas vraiment me débuter concentrer sur l'autre bagaille et sur je dis à l'âme, je vais camper sur moi ça. Ok. Mais même du Toto, et parallèlement ou pratiquement font une description qui assez triste et assez dur de ça qui a passé au niveau médiatique, au niveau des médias. Mais secteur musique là tout même, ça veut dire que est-ce qu'on a une sensation que tu es aussi divisé et au début de carrière, l'option j'ai. Et les années 90, les tivages commençaient à percer. Et ma vie de tivage commençait vraiment à percer 96-97, c'est capable de dire. Et jusqu'à l'année 2000, côté que là, nous avons un bel moment polémique, tivage déjà côté là. Et moi, je dis belle polémique parce que là, les gros niveaux viennent venir après. Et il n'est pas comme ça. 96-97, il était belle, il était amusant, il était rappelé d'Episcopio. Et. Mais. Est-ce que pas un pourrissement tout au niveau de relations musicien à musicien sur ces 10-15 dernières années? Est-ce que. Eh bien, les vignes arrivent dans le point côté que chaque monde a géré tête, chaque monde ouais parti par là. Au moins, je pense que les pas bénéficier de la quête là as a whole. Ça veut dire que je pense que le fait que chaque monde se bise par là, tête que ouais, je pense que. Tête ensemble dans vraiment dans business ça c'est le comme si dans nous réunis dans by black nous tête ensemble ou bien là une catastrophe excusez-moi pour tout ça ou je nous belle tête ensemble mais à part de ça tout le monde ça fait oui après bien mais pour qui ça assez souvent les musiciens parlent et bon on doit pas répondre parce que je me connais et me pas besoin et c'est pas idée de toi moi pipo pour ni gêne on nèg ni mettre un petit soulier ou et au compte idéal c'est bon plateforme là pour exprimer c'est vraiment ça l'idée et pour que ça arrive souvent dernièrement là il me fait il y a deux musiciens très connus qui disent moi je pas rien qu'a fait ta musicien ici il y a deux musiciens qui disent moi cher depuis son bagage musicien ici la donne pas la donne il y a deux promoteurs grand promoteur très connu lui même qui dit que lui même et puis gros cauchemar c'est là la fait activité avec jazz haïtien ça se compte sur le bout des doigts combien de groupes haïtiens mais elle fait avec étrangers c'est belle bagarre elle fait avec haïtien c'est vraiment catastrophique et puis gros mot qui tourne tout le temps en boucle hypocrisie et pour qui ça c'est quoi le problème exactement c'est son bagne héritier c'est comme si Ndadou c'est ça m'a essayé tout à l'heure c'est comme Ndadou même nous même dans business là. Nous venons penser aux gens comme si nous avons une quête. Et elle baisse, oui, là. Nous pas hérité de lui, non, parce que l'on garde des relations par rapport avec un acteur comme Claude Mass, qui était lundi. Puis nous ne parlons pas en termes de peut-être polémique. Ok, oui. Non, oui. Qui était toujours dans la couture. Oui. On prend le Moussiko, d'Episcopio, ça veut dire que polémique, là. Est-ce que c'est pas ça que fait, je dis à là, nous venons mon esprit comme si nous avons de. C'est moins lié, man. Bon, je dis à là. Non, mais l'autre, on a vu ce polémique là, c'est plus musical. On a tant de polémiques psycho-anneumons. C'est de bah, gentil. Alcibiade oui. Fait bouche, fait poum là, dual psycho-re les nez, bon j'avant. C'est société à qui m'aime pour ça. Ok. C'est-à-dire que si société a dégénéré, même si vous avez vu le jeudi, c'est normal que tout le bagarre a dégénéré. Ok. Mais est-ce qu'on n'a pas des regrets ou même personnel? Parce que moi-même, moi, je dis assez souvent que, et moi, regardez. Toute progression de très jeune rive côtoyer m'est capable dire que me connais bien sur le plan artistique et m'a envie dit m'est capable même dire que sur le plan personnel m'est capable dire que moi certaines choses encore nous moi avec on te connait ti échange musclé nous pas toujours bons amis j'ai tout le monde passer le jeudi là mais malgré tout on gagne respect entre nous c'est ça qui primordial mais moi-même moi rends moi compte que pendant samedi là que qu'on vient grandir on vient plus sagesse on vient beaucoup plus malléable ou moins agressif. Mais est-ce que gagne de l'enfant si bac ou garder peut-être dimension polémique là tu prends à Jacout ou bien dimension tu prends à Sweet Mickey au moment de la durée est-ce que pas regret certainement gagne des bagages qui t'ai dit gagne des bagages qui t'ai fait je dis à la si me carré faire on pas faire ça. OK. Et mais pas oublier l'entrée dans bataille pareil fanatique beaucoup tout
ou bien nous avons adrénaline, mais ça veut dire que vous avez tellement envie de gagner, vous avez tellement envie de frapper l'adversaire, que des fois, vous avez oublié, on sait de oublier tête tout, et puis ça après, vous allez réfléchir, vous allez dire que ça me fait là. C'est ça que, et avec le temps, tout, mon maturité qu'on vient atteindre, et puis vous venez comprendre le business. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que nous faisons plus comme blender là, ça? Est-ce que vous avez les raccords? Plus que la droite, ou bien peut-être que fanatique ou content? Est-ce que concrètement, vous retombez? Franchement. People, public qui a suivi la musique haïtienne, public qui a campé des business, le monde qui vraiment a consommé, il y a rien de ça. Et c'est eux-mêmes qui la cause que des fois, la bataille arrive dans le niveau ça. Okay. C'est à tous les niveaux, c'est pas seulement dans la polémique qu'on va dire, mais on regarde même la polémique qui existe dans la créole là. C'est sûr. Le arrivé dans le niveau ça, c'est les gens qui ont plus de monde qui a regardé, plus de monde qui a intéressé, plus de monde qui a. So, ça veut dire que. Et le public a poussé le rivet, le public a rêvé ça tout. Mais est-ce qu'avec, après ça, on va entrer dans l'album rapide, on va un peu le cause de me parler avec mon papa aussi, mais est-ce que monter en puissance réseaux sociaux, est-ce que quelque part nous-mêmes, qui est la personnalité publique, est-ce que nous n'avons pas envie en de faire mon plaisir trop? Côté nous venons prendre un piège, côté. Même sur le plan musical, j'ai l'impression peut-être que. Et nous, ils vont continuer à faire mon plaisir. Et puis, Gomba, il a perdu. Et parallèlement, et en termes de substance. Parce que, là, on vit faire tout le monde plaisir, on dit, hein, on vient perdre l'identité. Parce que, on dirige, on t'a remis tant des monde qui a fait éloge seulement. Mais, pas oublier, ou son artiste, ou mon identité, ou compte qu'on trouve là, aller. Musique, là, bon, j'en veux le faire tout, le bon, j'en veux le jouer. Ok, ou qu'a peut-être ajouter deux, trois petits bagages pour. Parce que après tout le temps que fin passé à la ou même en tant qu'artiste qui a produit, il faut pour toujours parler dans un bagage pour mon senti que c'est différent, un bagage qui est nouveau, etc. Mais il ne faut pas jamais quitter l'opinion publique là, net, diriger leur travail. Okay. Parce que là, ça, vous venez dérouter net, vous perdez l'identité, ou pas qu'on goûte au bralé, et puis vous devez pas le payer sa chèque. Mais ce génération pour la wagon piège que n'a pas la donne là, vous êtes dans la quarantaine, par exemple, vous avez des gens qui ont un petit, ou 9 ans, 10 ans, si je ne me trompe pas. Donc, et il y a des gens qui piègent que vous, il y a des gens qui grimpent, tout la génération pour la. Qui grimpent. Est-ce que quelque part nous pas. Nous, tant que nous ne voulons pas grandir ou bien nous ne voulons pas avancer avec la génération qui a grandi avec nous, c'est comme si nous avions fait un bac pour nous joindre. Bah, on est une génération qui a 19, 20 ans. Et puis, nous venons faire peut-être que sur le plan musical, nous venons perdu ça qui a fait succès. Nous, bah, ça, c'est la mentalité qui vient de nous. Voilà. Côté que l'on monde qui a 40 ans, je dis à la Yozou, ah. Ko ba ti jeune yo place ko nese ti jeune yo k ap mene nek sa yo a la ba grand moun yo pa place sur la rue sou kounya la même le que à 40 ans ou pas grand moun vrai nan n'importe business nan n'importe e bagay et 40 ans jeune garçon yo c'est jeune garçon yo ça veut dire que fait pour mon carrière devant toujours mais nous même en Haïti yo fort senti que comme si ndazou ah comme si ndazou a kounya la et nek sa yo brand boy sou kounya tout artiste sa yo. Il est obligé de venir adapter pour faire des choses, pour compiter avec ces jeunes qui ont 25 ans et 28 ans, pour toujours dire que, hey, mec, ça y est là toujours. Mais vous avez une sensation parfois, et en identifiant, il y a deux personnes qui étaient avant, et puis contingent perdu la foi, parce que il y a un changement qui peut être pas conforme à la vibration par eux, il y a un terrain là. C'est ça, c'est ça. Ou pas qu'à faire tout le monde plaisir, tout le monde. Il faut que chercher. Juste milieu. Et puis, pour balancer, et puis pour qu'il y ait des business ou en vie, tout. Parce que, à bien of the day, son business ou bien. Non, mais est-ce que c'est jeune qui vraiment qu'il y ait des business en vie, selon vous-même? Bon, là, on n'a pas les deux jeunes. Yeah, justement, parce que, là, on n'a pas les deux jeunes ici, on n'a pas le pouvoir d'achat. Moi-même, je suis dans ce que génération qui tape ma chère, voilà. C'est lui-même qui style le pouvoir d'achat. Ben, c'est ça tout, parce que je dis à la. Et qui moun ki pran bal, qui moun ka fè table, qui moun ka fè bouteille, qui moun ki vre map soti, c'est moun ki peut-être nan trentaine yo. OK, mais c'est qu'on y a pour bal fè 500 moun son grande réussite, l'on bal fè 500 moun depuis quelque temps, c'est qu'on s'allie, nous pa gen l'impression c'est choix ça qui peut-être ka fè une série de moun qui était avec nous, qui pas avec nous encore non. Peut-être gen pile l'autre paramètre, gen pile l'autre bagaille qui joue et nan problème ça parce que bal zo pipo. Il y a des gens qui t'aiment venir dans le bal, il y a des gens qui sont intéressés venir dans le bal toujours. Mais il y a des
jazz a commencé en retard. Deux jazz a joué, yon pas le jouer en vent, l'autre pas le jouer en vent. Balle a fait, goumé pété, zam tiré, bouté. Ça désintéressé une série de monde qui peut-être pas trop jeune à l'emballe encore. Okay. Parce que si jeune dans lui-même, il est habitué à l'en club tout le temps, habitué à bouteille cap voye, habitué à l'obéir, ça arrive aujourd'hui à 2000 ressources encore. Il y a une série de monde qui perd du temps pour le soutien pour venir dans balle. Et puis, là où elle est minuit et demi, une heure du matin, bon, jazz pas qu'à commencer, parce que la gouma à l'autre, là, elle dit non, c'est moi qui même pas commencé, moi-même pas commencé. Ça désintéresse, on sait où de monde sorti. Et moi, c'est que c'est un des plus gros problèmes que nous avons dans le business aujourd'hui. Là. Si vraiment nous sommes consistants, si vraiment à chaque fois, nous pensons à public, là, nous disons, mais, mon je mets un peu d'énergie dehors pour sortir, on fait amuser, on baille une soirée pour ne pas jamais oublier, il n'y a pas envie de retourner encore. Bon, c'est d'abord plus monde qui vous intéresse. Par rapport à tout ce que là, yo, et qui ça vous va proposer le prochain album ça? Est-ce que le prochain album n'a tenu compte de toute observation ça? Yo? Bien sûr. Ok, bon, ça. Sur ce plan, mon yo connaît petit vers son jazz discipline, son jazz qui toujours respecte le public, qui remet le public, qui toujours là à l'heure, qui toujours amène si bon problème. Ni alors, ça t'arrive avec un problème, ça t'arrive avec un bon imprévu. Mais en gros, son groupe qui a une mentalité comme si nous avons qui primait sous discipline. Et puis respect pour le public là, etc. Sur ce plan, je ne sais pas rien que nous allons changer. En termes, si nous parlons sur le plan musical, c'est que l'album ça nous construit pour deux générations. C'est-à-dire que dans l'album ça, ou besoin de fanatique compas qui jouent compas que la cherche pour venir danser. T'as besoin de compas, oui, est-ce que t'as besoin de compas? Oui, t'as besoin de compas. Et pas compas en papier mâché, c'est pas. Non, pas un compas comme si tu compas, comme si tu as joué, mets ton grain de musique et puis tu cherches un solo pour l'aguer. Non, ou besoin de compas. La musique, c'est Jean Gérel là. Musique, ça, c'est une musique balle, musique compas. Donc, la musique, c'est des affaires, c'est une musique compas direct, bon groove la donne, comprends? So, nous avons deux ou trois musiques sur l'album. Nous avons l'autre musique et moi-même avec Juanito, nous construisons sur l'album. Qui joue ça. Et qui ne sont pas mauvais là-dedans, qui ont solo guitare. Donc, so, je pense que c'est vrai que nous ajustons nous pour nous, you know, pour être jeunes, pour nous sonner jeunes, pour nous paraître avec des sons qui différents. Mais en même temps, tout, nous pas oublier, pour ne pas dire. Parce que je pense que à la base, c'est qu'on ne pas dire. Okay. C'est lié, c'est lié qui est obligé de primer parce que c'est soit vendre, ou qui doit habiller les gens, ou qui doit you know, faire you know, des petits changements en série de bagages. Mais ou pas qu'à dérouter et puis vous dites bon, je dis à la, je vais jouer bachata et puis sous bachata, ma plaque en solo qu'on parle en dedans. Il va marcher. Ok. Donc, album, ça a bien combien de musique? Il a bien 11 musiques sur lui. 11 musiques? 11 musiques et 10 compas. Et puis nous gagnons un abordage avec G-Dolph qui nous dit on t'y marche qu'on parle dans ton mi-temps, on t'y baisse du fer. Ok. On se dit, nous n'avons pas en dehors de Felicia Ross, nous n'avons pas de l'autre, ou de Toto, que l'autre c'était là. Nous avons plusieurs featuring. Ok. Nous avons Chukito qui chante en musique, tout que nous allons découvrir comme chanteur, talent monsieur comme chanteur. Et je pense que dans le monde qui ne pas connaît, qui ne connaît pas que monsieur était ça. Et Chukito c'est. Guitariste. Guitariste, ok. Et. Yo, bon, monsieur, mon vocal mauvais, et moi, je m'étais ouais, ça depuis que je suis rentré dans le groupe là. Je me dis, monsieur, pourquoi faire quelle interprétation en balle pour ne pas découvrir, je me juste quitter comme surprise sur l'album. Parce que monsieur, mon musique sur l'album, là, que je pense qu'il y a les cadeaux sacrés, que je pense que je ne parle pas en pile. Et moi, j'ai Canis qui font rap sur une musique avec tout, j'ai Felicia, et j'ai Juanito, j'ai G-Dolph. Ok. Une surprise toujours même à quitter le sol. Ok, combien de vidéos vous mettez dehors là? Bro, moi j'ai quitté Montréal là, qui est en sortie, qui est en fait chemin sérieusement. Et puis moi j'ai une deuxième vidéo qui a sorti avec l'album là. Ok. Qui a suivi avec conception et quitter Montréal là? Parce que sur le plan artistique, niveau. Pour moi-même personnellement, je devais niveau très 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 relevé. J'ai le choix couleur, le décor là, tout ça. Et qui a suivi avec conception? C'est Abjas Lager. Okay. Et Lux Media, c'est monsieur qui vient avec concept là. Depuis l'aime beauté musique là pour monsieur, monsieur dit, you know what, mais ça me t'a envie de faire, mais ça me. Est-ce qu'on peut aller avec moi, même faire monsieur confiance à 200%. Je travaille avec monsieur depuis plus que 13-14 ans, je veux dire là. Et nous toujours faisons pile belle bagaille. Nous quittons monsieur le travail même, et puis monsieur fait gold ça. Donc bon, et vidéo ça différent.
nous devons bah qui sorti de l'ordinaire, bah qui pas habituellement, bah qui habitué ouais et dans vidéo haïtien etc. Et moi c'est que monsieur Bon nous sommes à chercher. OK, malheureusement nous pas grand pile temps, nous grand pile pas longtemps mais parler avec vous, on parler on si avant nous arriver à dernière question qui parle clôturer cette conversation ça et dans 2 minutes parler de l'album. OK. Album nan, mba se ke son album kote ke nou rive nan pwen nan karyè nan pipo, nou te vle reinvente brand nan. Ok. Ok, paske apre yo fin fè, nou fin fè 10 album deja, moun nou fin pouve tèt nou gen son nan, bien sûr, nan kebe identite nan, men nou vle repouve yon seri de bagay. Mbal fò, mbal zon bagay la ke mba jom di ke petèt moun pa konè. Tout lè kou nan on fait un an mon vocal coach qui vient trois fois par semaine dans carrément qui entraîne qui bonne technique pour me chanter l'album ça une façon qui peut être impressionner en série de monde parce bon, que mais je senti légèrement la musique que sortie avec Félicien depuis sous jambe dérapé à ouais toujours dit que c'est bon ça veut dire que toute bagaille ça c'est bagaille que m'apprendre faut me dire que nous sommes chanteurs qui commençaient à chanter, c'était deuxième passion. Première passion, c'était guitare. C'était guitare. C'était chercher groove, c'était travail guitare. Pas de vraiment prendre son pour vraiment travailler vocalement. Vite arrivé à un point encore hier, au moins côté, je me dis, hé. Mais c'est avec moi, j'étais bien utile. Bien sûr, j'étais utile. Dans le moment où t'as frappé, j'étais fait mal. Mais t'es obligé de défendre moi devant fanatique, devant famille. Bien sûr, bien sûr. Mais côté, je me rivé encore hier, au moins. Je me dis que, hé, je dis, c'est pas même qualité de business encore tout. C'est sûr. Que longtemps, mon j'étais venu dans ces gouffres. Mon j'étais venu, pas de lumière sous stage, tout le monde c'était qui gouffre, cap baille, et puis tout le monde a dansé. Je dis, ah là, mon yo vin gado, mon yo vin tende ou. Yeah, c'est sûr. Ou pas karete ou abaye mon yo n'importe bagay. So, et me font recul, mal travail, et me pense que l'aime yo pral tende mou sur album nan, c'est une bagay qui pral capter attention en pile. Ok. Me prends sang pour me chanter album nan, me prends sang pour me présenter une autre façade après toute année ça yo, que peut-être mon yo pas de conjoint. Et pas oublier tout, me son chanteur. Nous sommes bien sûr, nous sommes chantés carnaval, nous sommes toujours concentrés sur partie ça, sur rire, mouya, sur même le marché de musique qui, comme c'est une musique love, et puis l'île en moins, parce que c'est ça, ça m'a habitué, c'est toujours les bagailles. Cela me vient plus ou moins poser, et puis musique dit, bon, me font l'autre bagaille, et puis pour essayer de montrer mon yo, et on l'autre façade de moi. Ça, c'est une bagaille sur l'album. Qui l'autre bagaille nous gagne tout, c'est que et construction musique. Musique yo très catchy, yo très jeune, yo très direct par rapport à côté que avant nous t'étais qu'on prend petit temps avant d'arriver dans corruption et on sait de barrer là nous fait mélodie direct, nous fait mélodie depuis l'aine commencé même nous pas tant 30 secondes 30 secondes 45 secondes pour guetter attaquer bagaille qui peut le faire mon yo et chanter et toute bagaille ça yo joue un grand rôle là. On a jamais construit l'album ça. Ok. Et est-ce qu'on est capable de dire que T-Vice qui pral retourner avec format full live lui parce que son T-Vice que sont préparé de Corona. Exactement. Bon. Moi me dis le tout. Parce que son approche était assez intelligente personnellement. Merci. Et c'est peut-être pas forcément meilleure approche sur le plan musical par rapport à ça nous aimer. Mais moi-même moi t'ai compris l'approche et j'en avais parlé. Me dis bon, les gens sont bon intelligents oui comme ça fait. Et puis tout pendant ce temps tout nous pas foncé de mon ou vivre foncé de mon parce que c'est sûr. Et grande génération qui pas et puis tout grande génération qui pas qu'on dit dans machine époque ça et ça grand pile monde qui vient dans bal cap tande le cap dit oh bah ça sont indifférent oh monsieur oh, ça sont dommage grand pile monde qui pas connaît mouvement ça so yo t'ai profité font si dit nouveau mais nous arrivons dans moment là côté que hey avec album nan avec transition que n'a fait là jodi a là nous fini elle dit son jazz elle va jouer là tout monde a senti son jazz qui a 30 ans de carrière 30 ans de métier elle dit nous va senti maturité ça dans playing certainement on l'autre bagaille que nous va parler avec là que mon t'a demandé depuis longtemps c'est pas guitare ça moi même avec Chukito peut-être pas bien dans toute musique parce que hey il y a des musiques faut que vendre l'autre gens un peu frontman etc. mais et wap, définitivement joindre mariage de guitare dans musique qu'on pas direct surtout et moi même avec Chukito nous venons qu'on top et qui est assez intéressant
on parle sur parce que nous pral wel nan foule ça que foule men ça que n'a vin avec là nous gagne bon bandeur qui très jeune et parce que bon bassiste se dire pas ça que nous t'a découvert Dieu mauvais et puis voilà même parce que là qu'on y a là automatiquement qu'il finit avec album là c'est rentré dans répétition n'a annoncé qu'il est n'a fait grande première là même parce que c'est pour moi d'octobre là d'octobre là normalement que la pied puis fin fait le boy ici là et puis nous déraper nous commencer tourner encore. OK et bien moi me passer nous dit ça qui est important yo par rapport à l'album qui va sortir nous va arriver là la conclusion naturellement et mon yo a gagne chance pour regarder vidéo yo pendant n'a fait c'est parler ça mais et kounya en entrer dans des pratiquement c'est une question coutumière que nous poser tout le monde que nous recevoir okay. Et nous pas le bon quête nous là et pour dire soir passer deux. OK. OK mais avant nous tout une question que nous poser pratiquement tout le monde là et sous ces 10 dernières années et bah nous deux musiques que Roberto aimait pas musique Tivaison deux musiques deux musiques qui sorti sous 10 ans qui se passé là au courant aimait get. Moi même son monde qui consomme toute qualité musique ah, les compas le compas le domaine OK on went et la difficile pour m'aller directement même mais get. Puis vous, vous coincez là, sérieusement. Dernier 10 années, je vais vous dire que on est arrivé à mon catalogue. Ah, moi, j'ai même deux musiques, ton chef. Ça a toujours fait diplomatie. Non, toute musique, ça a été moins, mais la difficile, c'est. So, bon, je dis. Get, man. Quoi, maman? Est-ce que vous avez une minute pour là? Oui, je vais vous faire là. Vous avez deux musiques, oui? Non, il y a deux musiques que moi aimais. Ah, mais bon, deux musiques. Il y a un pile. Ah, mais bon, deux. Bon, je vais vous dire, si on prend ce sac qui est récemment, yo, et. Quel, man. Je vous dis que. Bab bon, c'est. Difficile. Quel. Marc Marie, c'est une. Ok. Classe. Ok. C'est une musique que moi aimais en pile. Et je vous dis que. Quel, man. Ouais, l'autre. Musicalité fait vidéo avec là qui est différent. Okay. Pas à la rivière là. Ok, ok, pourquoi c'est. Musique qui fait avec Florence. Ok. Ça, c'est une musique que je me donne en pile dans la machine, mais sérieusement. Et. Ok. Criminel là, son musique de Richard avec que je me donne en pile. Yo! Ok. Et d'autres choses, pas aussi difficile pour vous. Là, nous parlons de deux, trois mots, on va dire rapidement ce qu'on pense de vous. Ok. Ok. Nous parlons de deux, trois mots, on va dire rapidement ce qu'on pense de vous. Ok. Et Dadou Basket. Ce sont des gens, mais. Ce sont des méchants guitaristes. You know, c'est un monument. Ok. Timano. Oh, Timano. C'est une idole pour moi parce que mal à plein en pile de Timando. Nous garder un petit crasse quand jeune de monsieur qui a joué peut-être dans et qui a joué concert et comment les côté ça au gymnasium mais c'est garder technique monsieur comment monsieur adresse et foule là dans carnaval sous tête chat qui je le parle à mon yo on prend pile technique son monsieur. OK. Et grâce à Delva. Oh ouais, même Jean tout. On dit que grâce à son petit Timando. OK. So, m'a pas pris le monsieur soit approché on stage. OK, pour changer à côté. Pour changer à côté toute présence monsieur sous scène. Au monde gagne à critiquer et pour changer Jean ouvre les vocales à partir de façon de chanter etc. Il y a des gens qui ca des qui aime des qui critique mais présence monsieur devant jazz border. Pas mentir là. OK, Nickenson Prudhomme. Ah, méchant keyboardiste, méchant et c'est une keyboardiste préférée. OK. Compositeur préféré. OK, et Ali La Rivière. Ça c'est un autre monument, Bizi Santo. On hit maker, monsieur que je dis à la, monsieur pouvait les sortir de keyboardiste, compositeur, hit maker, qu'on y a monsieur c'est une appli mon frontman que nous avons besoin. Ok. Bernier Sylvain. Et monsieur c'est un coquin chien garçon, son exemple et pour moi de un monde qui a réussi dans la presse. Okay. En Haïti. OK. Second monde que ou gon reconnaissance pour lui et l'on parlait de Tivaï, est-ce que vous pensez que li gon bagaille pour le lancer Tivaï si je dis? M'a parlé de Richie. OK. N'a plus monde qui pas connaît. Et Richie depuis là nous commencer
Richie était le premier monde qui vient faire chorale sous l'album In the House, ça, Gazman tout. Mais Richie lui-même, moi, t'es venu qu'un bon, on sort d'amitié avec monsieur, qui fait que nous travaillons sur plusieurs autres projets. Et l'album qui t'aime vivre, là, Richie travaille en pile sous lui. Et l'album nous tourne plus fort, sur le passé, là, j'ai une musique que je travaille avec Richie, nous tourne plus fort, c'est monsieur qui t'a aidé m'écrire. Et j'ai plusieurs autres projets encore, et monsieur toujours passé de semaine à la donne. Au tout le monde, j'ai d'arriver là, n'importe là, je me dis le maestro, et. Bon bagarre là même d'arrêter même faut entendre soit penser qui soit en changer on prend les m'a pris l'album dans Welcome to Haiti monsieur soit penser tel genre monsieur dit tout est tel genre et puis toujours prend conseil monsieur et toujours marcher moi. OK, et avant dernière question parce que avant dernière question et essayer de répondre rapidement parce que nous pas grand pile temps et on dit on fond jazz avec deux musiciens T-Vice et on jazz compas et avec musicien qui a l'activité actuellement et bah nos formations voilà et bon aller rapidement avec on joue à deux chanteurs. OK, bon moi je mets Michael Guérin avec Grassa Delva. OK, et un bel mélange ça un cocktail Molotov. OK, on joue à deux guitares et m'tap mettre Pozo. Et puis, actuellement, je vais poser un chukito de Sylvie Ferro. Ok, Bassis. Vous avez dit pas musicien, si vous voulez. Oui, pas musicien. Bon, nous avons dit un chukito. Bassis. Bassis. Et Bassis actuellement. Mon cher, grand pile monde, grand pile bon petit bassiste dehors, grand pile monde qui a bien joué, mais ils sont sur le choix. Okay. Par contre, monsieur, il est déco bassiste qui a joué dans New Look actuellement. OK. Monsieur font un pile. Ou bien Nixon, il y a un problème. OK, Tambou. Tambou et voilà avec Alex. Allez, Alex, OK. On va prendre New Look. Batterie, tu as mis tes cheveux de l'idée. Moi, je suis en pile, oui. Mais pour moi, moi, swing, cheveux de l'idée sous 5 balles. OK, keyboard. Keyboard, tu as mis Dickinson plus d'eau. OK. Madame Pinaldo, tu as mis Dickinson plus d'eau. OK. Un match là. Eh bien, jazz a fini, oui, là. Ou une belle formation musicale, là, moi, là. OK, donc pour moi je viens même puis on parle de coro le PHMA et merci. Pour 30 ans de carrière et ça veut dire qui ça pour et qui sont pensés de initiative ça. Mon cher, même là beaucoup arrivé dans 30 ans, on a qu'à fois, quand on a 27, ça fait plaisir et moi bah, c'est que l'on bail tout tout même comme ça pour le business parce que c'est toute jeunesse nous bail net pour le business là. Et pour joindre des gens qui vraiment pour l'honorer ou qui apprécient ce travail, c'est pas ça qui encourage ou qui veut fort continuer à aller plus devant toujours. Travail et bail sueur et mener musique en plus loin, goûter, sacrifier. Merci en plus. Ça, bail ça, c'est récompense ça pour joindre et qui encourage. Ok. Vous avez exemple bail. OK. Eh bien, monsieur PHM, un compliment parce que nous recevons message là. Et au dernier bagaille et papa t'es la soirée hommage à Isnan Dobi et c'était vraiment belle fête qui fête la Miami et mais est-ce qu'on attend Robert Mouri pour nous faire ça pour Robert ou comme si bien attend c'est l'autre monde faire. Moi j'ai fait mais Robert tellement vouloir être actif. Non, pas obligé d'être difficile. Et on n'a pas parlé de jazz. Et on n'a pas parlé de musiciens pour une forme de jazz. On n'a pas appris monsieur parce que monsieur parle de jazz qui est actif. C'est sûr, c'est sûr. Mais certainement, on a choisi monsieur comme une guitariste. C'est évident. Mais, et on pense que nous-mêmes, nous avons tendance à nous nourrir au monde. Dans ce sens, ça, pas Jean et PHM a fait là, non. Les nous nourrons au monde pour nous faire une soirée pour le monde. Pour nous nourrir, c'est comme si nous avons une fille. Eh bien, justement, c'est pour nous sortir la dynamique, ça. Parce que nous plaît tout le temps que c'est les gens qui nous nourrissent pour nous nourrir. Mais monsieur,
on foule toujours. C'est un album qui fait que sauter. Ah non, mais ils raisonne plus. Ils ont plus. Parce que, ou bien Robert, ou bien La Rose, ou bien Choubou, et bien là, des gens qui sont malades, tout la même génération, ça donne avec le Big Millier, qui n'a pas fini tout en forme. Mais, la part. Ils sont deux balles, là, mais nous avons besoin de monde qui peut prendre du vaccin. Ah oui, parce que pas d'un exemple vivant, monsieur, c'est pas d'un exemple en pleine santé. Pour yo ouais bah pour nous jouer pour yo initiative là en fait moi chaque fois c'est moi même moi t'es pigou quand pigou est grand en vie m'a fait toute histoire m'a fait balle dans ceci par contre ce sont ça que me programme balle ça et là Royal Echan Kafou Tiva et Scorpio c'est fou ça et puis par rapport au fond ou maladie la veille et puis balle ça pas fait Royal Echan Scorpio son bal qui programmé et puis la veille il voit pas pour fond une digestion bal qui était dérangé lui ne s'est pas transformé puis nous obligé cancel soirée ça tu vois donc mais ça pas empêché que nous car reprogrammer l'année peut-être pas avec Scorpio pas avec Scorpio non même pas c'est que moi c'est qu'on soirée et moi même moi peux mettre moi dire ça en public et moi pense que Tivaïs obligé faire le personnel si vous voulez qu'on ne prenne pas au soirée comme c'est dans du côté Tivaïs décidé là pour visiter 10 Music Scorpio, il prend deux monde, c'est Tivaïs qui back up Benin, il prend deux monde, et puis nous rejoignons. Parce que, je ne regarde pas Robert Chita, et Robert jeune, Robert fougueux, mais son génération qui parlait, bien sûr. Donc, il faut baler l'espère. Et sans ça, c'est que nous douons ça. Nous pensons que nous douons ça. On ne pas moi seulement petit. Non, nous douons ça. Nous douons ça. C'est nous qui douons ça. Nous douons ça. Et pas seulement dans le en tout cas, je vais me de nous chaque jour dans la radio, dans l'émission mieux avec ça. Pour moi, c'est de stimuler lui. Parce que je pense que c'est fun pour Robert, je pense que c'est fun pour La Rose. Même parce que Robert. Et il y a des choses qui font passer Tivaïs. Vous connaissez une langue qui joue jouer deuxième guitare. Je dis deuxième guitare, pendant que je joue avec un seul guitare. Mais là, je dis deuxième guitare parce que vous avez une philosophie sur guitare de accompagnement. Ça veut dire que vous avez extrêmement groovy. Et il faut me dire l'autre jour, c'est bizarre que je choisis Pozo. Je pose la même question. Je me suis sur Roberto, je me suis dit, ah, tu n'as pas un groove là, mais le petit. Il y a une compagnie l'autre. Donc, même parce que c'est une langue qui effectivement a fait travail, c'est à faire. Et sur guitare. Eh bien, c'est n'attendez, je m'attendez Ronald Smith en pile tout, dans ce système. Ben, mais j'aime M. Kimbe, d'autres choix, d'autres, monsieur toujours prend yo. Et je pense que, je viens développer ça dans ça, au cours des années. Et parce que, hey, j'en ai en même longtemps, musique c'était plus faire monde danser à groove, etc. Et puis, je viens développer ça. Pas de problème, non, en tout cas, Bordeaux, j'aime dire, Liam, vraiment souhaiter une soirée hommage à Robert Martineau, une soirée hommage au Scorpio Universel. Faut que moi, que, faut que beaucoup de chapeau tout pour Richard, il bien qu'il ait essayé de faire ça tout. Pas oublier chaque année avec un festival en soirée. Oui, je sais, c'était une très bonne idée, c'était une superbe idée. Mais j'aime dire, Liam, moi, je pense que l'on prend production musicale Scorpio, prend production musicale Zippy. Comme si je me gardais une soirée hommage à Dubi, à l'un des gars qui joue un paquet de musique déjà. Tu as un peu de contentement, tu as un peu de nostalgie, mais surtout tu as un peu de bonne musique. Moi, je sens que toute génération qui était là, de Capi, de Papo qui était Chita, de Tico Pasquet qui était. Je sens qu'il y a pour vivre. Bien sûr. Non, moi, c'est que fun by Negro chance, ça, sensation, ça. Et puis, respect génération pour la côté, comme c'est Mnadou, que Robert Chita, pour le garder, jouer pour lui, pour le garder Marc Arius, qui a joué pour lui, pour le garder. Et puis pour chanter pour lui, pour garder Tidjo qui a chanté pour lui, moi c'est Nagyo mérité ça, monsieur. C'est ça. Parce que c'est nous-mêmes qui proposons action ça, pour que dans les 20 prochaines années, il y a fait le pour tout. D'accord. En tout cas, il y a définitivement. En tout cas, mon Dieu, c'est ton plaisir. Pareil, moi, mais nous parlons pile bagarre là, mais nous avons pile bagarre, nous devons parler toujours. Ok. On a retourné, et puis l'aime pas trop pressé, et puis laisse ça là. Oh, right, bon. Et good luck avec l'album Nomen. Et salutations à toute équipe Tivaïs. Salutations à la Madrid. Et la Madrid, son monde que vraiment pile. On ça, je me perds tout. Son là pour partager. La Madrid, pour moi, son exemple en termes de management. Nous dis ça. Et la stabilité de Tivaïs à travers les ans. Et au maintenant, je me fais toute critique sur Tivaïs. Je me critique Ronaldo qui a dit qu'il manque. Qui trop technique, qui manque chita son mélodie. Oui. Et moi, que
je veux plus mélodie justement là ça m'a tendé là yo comme si m'a regardé monsieur Cap l'autre jour comme ça et mon cher m'étais prend pile plaisir là keyboard là avec la jeu deux guitares et me pensais me parler ça avec Billy Levé me vidé me dit mon cher tu vas ça joue deux guitares ou deux avec un bassiste ou jeune bassiste bah grand monde on prend mais management tu vas pas jamais rien pour questionner la donne effectivement je dis moi là on parlait de discipline bah jamais gagne chance pour être motivé ça autant par contre mon wel moi bah jamais gagne chance ça le carnaval tu vas effectivement mais dans carnaval là qui sont marché qui très compliqué tu vas pas un jazz qui bail problème le carnaval là histoire pas songer me jeune tu vas dans conflit joueur en premier joueur en deuxième non pas songer me pas vivre ça pas contre c'est arrivé. Donc moi c'est que Jesse effectivement son référence là la fait management donc compliment Jesse compliment à toute équipe là bon de bonne chance bon courage et puis et tout ça qui bon pour l'album là Kaby Levé man merci. Et merci pour le travail qu'on fait sur le plan technique nous rappeler que l'émission ça l'a passé simultanément sur plateforme Alternative Plus et sur plateforme Télé Anacaona ça c'est nouveau Kaby pour Saint-Louis jusqu'à ce que me tourne à Haïti parce que Kaby c'est ma prête là mais va tourner à Haïti donc va tourner à Haïti très bientôt que bel Haïti que bon Dieu bénisse nous que bon Dieu bénisse Haïti chérie à bientôt bye bye